L'attraction vapeur en service régulier n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir, à quelques rares exceptions près. Lorsqu'en 1769, l'ingénieur français Cugnot réussit pour la première fois à faire se déplacer un véhicule par la force de la vapeur, cette expérience prit fin prématurément dans un mur, faute d'un moyen de guidage efficace. Et pourtant, ce n'était pas un échec, puisque son célèbre fardier venait de lancer le signal des recherches pour développer ce nouveau mode de traction. En février 1804, au Pays de Galles, l'ingénieur britannique Richard Trevithick parvint à faire fonctionner une machine à vapeur sur rail à la fonderie de Penny Darren. La locomotive était née, mais il fallut encore près de 25 ans pour qu'elle devienne vraiment opérationnelle. En Grande-Bretagne, toujours, les frères George et Robert Stephenson construisirent des locomotives pendant 15 ans avant d'aboutir au premier modèle véritablement au point. C'était la Roquette qui remporta le concours de Rainhill en 1829. En France, l'industriel ardéchois Marc Seguin poursuivait les mêmes études. La locomotive qu'il fit rouler en 1829 à Lyon, sur la presqu'île de Perrache, se distinguait par une chaudière tubulaire qui augmentait la production de vapeur, deux cylindres verticaux qui actionnaient quatre roues comme sur les premières machines de Stephenson, et deux énormes ventilateurs centrifuges qui activaient la combustion du charbon dans le foyer. La chaudière de la Roquette a une drôle d'allure. La boîte à feu est indépendante du corps cylindrique auquel elle est assemblée par des rivets. La cheminée se dresse à l'autre bout de la chaudière où il n'y a pas encore de boîte à fumée. De chaque cylindre, un tube de cuivre dirige l'échappement de la vapeur dans la cheminée pour le tirage. Cette chaudière d'une machine hollandaise a déjà une allure plus familière. De la droite vers la gauche, on aperçoit la boîte à fumée, le corps cylindrique et la boîte à feu. À l'intérieur de la chaudière, l'eau est réchauffée par un combustible, le plus souvent du charbon ou du fioul. L'eau se transforme en vapeur qui transmet sa force aux roues de la machine. Les chaudières sont toujours de forme arrondie, la mieux adaptée pour supporter la pression de la vapeur. À l'arrière, le combustible brûle sur une grille qui laisse passer l'air de la combustion. La grille est placée à la base d'une chambre, le foyer, lui-même fixé à l'intérieur d'un autre volume, la boîte à feu. La chaudière est remplie d'eau jusqu'au-dessus de la partie supérieure du foyer, que l'on appelle le ciel de foyer. À gauche, le feu brûle sur la grille. Au-dessus, une voûte en brique dévie les flammes et les gaz chauds vers l'arrière pour qu'ils lèchent les parois du foyer et pour mieux diffuser la chaleur. Les gaz passent ensuite dans un faisceau de tubes où ils transmettent leur chaleur à l'eau qui les entoure avant de déboucher dans la boîte à fumée. Lorsque la machine est en marche, la vapeur s'échappe des cylindres par la cheminée et provoque l'aspiration des gaz vers l'atmosphère. Ce sont ces coups d'échappement qui produisent le bruit typique de la locomotive. Plus une locomotive doit fournir de puissance, plus une grande quantité de vapeur passe par l'échappement. Le bruit augmente en même temps que le tirage du feu. Cette interaction entre l'énergie consommée et celle produite est particulière à la locomotive à vapeur. Mais lorsque la machine est à l'arrêt ou en cours d'allumage, l'échappement ne peut avoir aucun effet. On a alors recours à un moyen de tirage artificiel, le souffleur. De la vapeur est injectée autour de la tuyère d'échappement par une tubulure circulaire percée de trous. Comme l'échappement, le souffleur crée dans la boîte à fumée une dépression qui aspire les gaz chauds dans les tubes et l'air à travers la grille du foyer.
Lorsqu'on ferme le souffleur, le tirage s'arrête brutalement. Attention au retour de flamme. Dès que la vapeur atteint la pression maximale prévue, les soupapes de sûreté s'ouvrent pour en évacuer l'excédent. Réglementairement, toutes les locomotives doivent avoir au moins 2 soupapes. À mesure que l'on consomme de la vapeur, la quantité d'eau contenue dans la chaudière diminue. On vérifie le niveau d'eau avec ces appareils et on le complète régulièrement pour éviter un manque d'eau qui détériorerait gravement la chaudière et pourrait même la faire exploser. Les toutes premières locomotives étaient munies d'une pompe à eau, entraînée par les roues. Lors d'un long stationnement, il fallait donc faire avancer et reculer plusieurs fois la machine pour alimenter la chaudière. Depuis l'invention de l'injecteur, cette manœuvre n'est plus nécessaire. Sur cette locomotive allemande de la série 52, l'eau et le combustible sont transportés par un véhicule qui lui est attelé en permanence, c'est le tender. Sa capacité importante, 30 mètres cubes d'eau, permet une bonne autonomie. Une machine conçue pour des trajets assez courts peut porter elle-même ses approvisionnements. On dit alors que c'est une locomotive tender. Une disposition qui présente l'avantage de pouvoir circuler à la même vitesse dans les deux sens. Cette machine allemande série 66, par exemple, peut rouler à 90 km/h en marche arrière comme en marche avant. La roquette possède 2 cylindres placés à l'extérieur. Chaque piston est articulé sur une bielle motrice qui convertit le mouvement linéaire en mouvement rotatif, en entraînant la roue correspondante. À l'intérieur du cylindre, la vapeur agit alternativement sur les deux faces du piston. Pendant que la vapeur est admise dans le cylindre d'un côté du piston, elle s'échappe de l'autre. Sur cette petite machine à voie étroite, on voit en mouvement ce dispositif appelé tiroir. La vapeur vive admise à une extrémité du cylindre pousse le piston qui fait tourner le mécanisme qui, à son tour, repousse le tiroir sur son siège, tandis qu'à l'autre extrémité, un orifice s'ouvre par où la vapeur qui vient de travailler est évacuée vers la tuyère d'échappement placée sous la cheminée. La vapeur est introduite sur une face du piston juste avant la fin de course. C'est l'avance à l'admission. Puis elle se détend et repousse le piston. Peu avant la fin de course, elle commence à s'échapper. C'est l'avance à l'échappement. Cette moitié du cylindre se vide tandis que le piston revient en arrière. Le même cycle se reproduit sur l'autre face du piston. Le mouvement alternatif du tiroir est commandé par le mécanisme de distribution. Cette locomotive tender néerlandaise est munie d'une distribution système alentrique à excentrique, très proche du système Stephenson qui était très répandu au 19e siècle. 2 excentriques sont montés à une extrémité de la bielle motrice, chacun correspondant à un sens de marche. Ils entraînent une bielle qui donne un mouvement alternatif aux soupapes de distribution. Lorsque la distribution Stephenson a été inventée en 1841, on avait bien compris le rôle des 2 excentriques en marche à fond, en avant ou en arrière. Mais on n'avait pas encore perfectionné leur utilisation aux positions intermédiaires. Par la suite, on a combiné les 2 excentriques pour augmenter ou diminuer le taux d'admission et obtenir une marche plus économique. À l'arrêt en particulier, la vapeur restant dans les cylindres se condense et redevient de l'eau. Comme l'eau n'est pas compressible, elle pourrait gravement endommager les cylindres lorsque le piston arrive en fin de course. C'est pourquoi des robinets spéciaux, appelés purgeurs, permettent d'évacuer cette eau. En laissant s'échapper un filet de vapeur par les purgeurs, on peut aussi réchauffer les cylindres. Le mouvement des bielles n'est pas symétrique entre les deux côtés de la locomotive.
Sinon, elle ne pourrait pas redémarrer si elle s'arrêtait à fond de course de piston. Les manivelles des bielles motrices sont donc décalées de 90 degrés, une disposition conçue par Murray dès 1812. Chaque manivelle est tirée ou poussée 4 fois par tour de roue. Cette locomotive néerlandaise de tramway à vapeur est dotée de 2 essieux à coupler. La somme des poids de chaque essieu sur le rail constitue le poids adhérent. Cette machine a des cylindres intérieurs au châssis et l'on aperçoit le mécanisme en mouvement par-dessous la chaudière. Ces 2 locomotives tandem appartenant au musée ferroviaire d'Utrecht nous amènent à parler de la configuration des essieux. On désigne ainsi par un chiffre le nombre d'essieux moteurs et porteurs de la locomotive. La première est une 030, c'est-à-dire qu'elle possède 3 essieux moteurs, sans essieux porteurs, ni à l'avant ni à l'arrière. De même, la seconde est une 020. Des essieux porteurs ne contribuant pas à la traction sont souvent nécessaires pour supporter une partie de la machine, la guider ou pour mieux en répartir le poids. La Saxonia allemande de type 021 ne comporte aucun essieu porteur à l'avant, 2 essieux moteurs au centre et un essieu porteur à l'arrière. Cette grosse locomotive allemande est du type 231, que l'on appelle couramment Pacifique. Les machines de vitesse sont souvent dotées d'un bogie directeur à 2 essieux à l'avant et de roues motrices de grand diamètre qui permettent des vitesses élevées, ici 140 km/h. Plusieurs pays européens ont employé le type 241 ou Mountain pour remorquer les express les plus lourds. Ce fut le cas de l'Espagne, de la Tchécoslovaquie et de la France où la mythique 241P que voici a été construite jusqu'en 1952. Une des locomotives françaises les plus populaires de l'après-guerre était de type 141, ou Mikado. Une disposition d'essieux qui lui permettait de tracter aussi bien des trains de voyageurs à 100 km/h que des convois de marchandises lourds. Cette autre machine allemande est du type 150, appelée aussi décapode. Ces 10 roues motrices de petit diamètre ne permettent pas de dépasser 80 km/h, mais elles garantissent un effort de traction très élevé. La conception d'une locomotive à vapeur faisait autant appel au savoir-faire qu'à la science pure. Si une chaudière vaporisait bien, on pouvait la monter sur des types de locomotives assez différents. En Allemagne, la même chaudière équipait cette Mikado type 41, limitée à 90 km/h, et cette Pacifique de la série 18, capable de rouler à 160 km/h. Le freinage est un élément essentiel de la locomotive. Avant l'apparition du frein à air comprimé, mis au point par George Westinghouse en 1871, la plupart des machines n'étaient équipées que d'un simple frein à main appliquant des sabots sur les roues du tandem. On imagine mal un dispositif aussi rudimentaire sur cette grosse Mountain tchèque de la série 475. Le frein à air comprimé fonctionne avec un compresseur à vapeur qui alimente en air sous pression la conduite générale qui relie tous les véhicules du train. Pour freiner, le mécanicien laisse échapper de l'air avec son robinet. Les cylindres de frein appliquent alors les sabots contre les roues. Thank you.